Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous, les amis? Moi, ça va très très bien aujourd'hui. On se retrouve pour la suite avec l'épisode 45 représente de God of War Ragnarok. Comme d'habitude, 4K 60 FPS. Évidemment, un casque ou des écouteurs. Plongez-vous dans le noir et faites-vous plaisir. C'est parti, on va récupérer. C'est froid. Enfin, froid. Ça vient d'Elheim. Emdahl a dû s'en emparer quand j'ai libéré Garm. J'étais là, mais. Je ne savais pas. Et tu te bats aujourd'hui pour réparer les dégâts. Tu n'as pas à te sentir coupable. Oui, mais... Non, tu as raison. Ok. On a donc récupéré froid. Retournons évidemment à la toujours ce Emdahl dans les problèmes. J'ai hâte de lui éclater la gueule avec son air bien trop arrogant et bien trop hautain. C'est parfait. Comment peux-tu être si sûr que nous avons le choix de faire ce que nous faisons? Nous ne pouvons pas nous permettre de douter. Pour parler de doute. Tout ce que nous avons fait jusqu'ici, les géants l'avaient prédit. Nous faisons nos propres choix. Rien ne nous y oblige. Ok. Ok, ok. Atreus, ne pose pas trop de questions. Je te sens perturbé par la force, moi, Atreus. Il a l'air assez balèze. Ouais, non. Et fireball! Okay. Attention, tu as du Bifrost sur toi. Ok. Superbe. Allez, ça va. Très bien. Ça, c'est fait. La vie s'est récupérée. On peut évidemment continuer. Il m'a fait trop peur, les gars. Ok, ça c'est pas mal. Ah putain, je voulais rentrer. Let's go, je vais rentrer ma gueule. Hop, deux. Oh, oh, oh. De rage. Ça me plaît, ça, j'aime bien. Et si tout ce que nous faisons ne revenait qu'à nous précipiter vers le Ragnarok? Y a-t-il aucun moyen d'éviter le destin? Ton destin? Si on ne peut pas t'empêcher de... Si c'était le cas, abandonnerais-tu les loups et ce royaume? Souviens-toi de notre accord. Ok. Je rappelle qu'on est censé éviter la mort de Kratos. En tout cas, tout le monde a prédit sa mort. Et ça serait quand même assez terrible, effectivement, s'il venait à mourir. Parce que Kratos, c'est le sang, frérot, tu vois. Ok, c'est par ici. J'avais pas vu avec la lumière qui reflète sur les rochers. Pourtant, le garçon n'a pas complètement tort. Tant qu'Atreus vit, qu'il en soit ainsi. Ok, de retour du côté du bout. Quand faut y aller? Exactement comme dans leur fresque. Si je le fais... Tu n'es lié au destin que si tu l'acceptes. Fais-le parce que c'est nécessaire. Pas parce que c'est écrit. C'est bien, petit. Ok.
offre un présent. Un moyen de les appeler quand on a besoin d'eux. Ok. Tu te souviens de cet hôtel qu'on a vu en arrivant? Je crois que c'est là qu'il faut s'en servir. Freya saura peut-être. Donc en somme, on nous a donné la clé des jours et des nuits. Ma foi, c'est plutôt pas mal. Je crois qu'on devrait rejoindre Ildis Vini et lui raconter tout ça. Oui. Rentrons au camp. Ok. J'ai pas trop bien saisi... On va pouvoir choisir le jour et la nuit, c'est bien ça? On va pouvoir impacter sur le temps. Ah putain, salopard. Attention, tu as du vide pour toi. La vache, les gars. Ok, 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 on va lui casser la gueule. Allez, ça c'est fait. Oui, toujours très, très Igloss. Ça me plaît moins maintenant. J'ai clairement pris ma part, on va pas se mentir. Oh non, mais quel abruti. Ok. Putain, j'ai pris du poison gratos. Et non Kratos, hein. Ok. Wesh, il vient de se passer quoi là? Attends, on dirait que le mec il lui... Hop! Oh non! Ce n'était pas la même que tout à l'heure, n'est-ce pas? Non. Ils reviennent vite, mais pas si vite. Asgard, qu'as-tu appris d'autre sur l'armée d'Odin? Eh bien, tous les Eneriars que l'on a combattus, ils sont déjà morts au combat une fois. Et quand on les tue ici, ils se réveillent au Valhalla. Ils ne meurent jamais vraiment. Si la guerre est inévitable, il serait bon d'avoir notre propre armée de soldats immortels. L'armée d'Elheim, tu veux dire? Celle de la prophétie? Cela n'arrivera pas. Non mais j'ai bien peur que finalement cela va arriver, mon petit Kratos, hein. D'un coup. Ok. Eh bien écoutez, pourquoi pas. C'est des gros chiffres. Okay. Oh la vache. Fireball. Ok, cassage de bouche obligé. On va se débarrasser au moins d'un. Yeah. On a pas trop le choix. Oh c'est pas vrai. Mais vas-y, je suis pris en gangbang! Putain! Let's go! Je vais vous casser la gueule, les gars, maintenant ça va chier. Vous avez vu, ça fait des petits damage. Ok. Oh la vache! Oh la vache! Oh, je m'attendais pas à ça. Ok, très bien. Pourquoi pas, les gars? Pourquoi pas? On va ressortir les Shadow Paul. Parce que ça, ça m'embête sale. Fireball! Ok. Bien ça. Faut que j'en profite. Parce que là, il est en train de cramer le man. Faut que j'en profite plus parce que je peux plus. Oh la vache. Ok, très bien ça. Il est où l'autre? Ok, superbe. Hop, superbe. Hop, superbe. Hop, superbe. Ok. Ok. Très bien ça, là on s'en sort. Là on déchire là. Là on rocks. Super. Bam! Bam! Oh, c'est bon ça, ça me plaît ça.
Allez, let's go. Éclatage de bouche en règle. Allez. Et ben voilà, c'est fini, Topipo. On arrête les conneries maintenant. Les gloss doivent leur plaire aussi. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah c'est mon premier incroyable. Oh, c'est trop bien. Attendez, on va déjà l'améliorer alors, non? Oh, l'XP d'où Jésus. On va attendre un petit peu, avant de l'améliorer. Superbe ça. Bon. Attendez. Non mais non, qu'est-ce que je vais retourner voir Ildis Vini. Et après? Nous sommes venus pour aider Freya. Nous ne partirons pas avant d'avoir sauvé son frère et l'elfe blanc. D'accord, mais Odin va continuer à chercher les morceaux du masque. C'est lui que cela concerne, pas nous. Oui, mais si ce masque donne toutes les réponses... Alors, il lui en coûtera sûrement. Méfie-toi des raccourcis vers le savoir. Oui, père. Allez, superbe ça. On est bientôt arrivé au camp, je reconnais. Très, 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 très bien. Tout ce qui se passe là me plaît de plus belle. Allez, viens, moi, traître. Ok, on va passer par là. Ah. Putain, il est mort en plus, mais quel échec, quel échec. Est-ce que toutes les plantes ici veulent nous tuer? Non, seulement celles qui sont tombées. Ok, let's go. Y'a quoi là? Hop, de l'argent pour les braves. Y'a quoi là? Que dalle. Bon, je l'avais pas vu cette petite caisse, donc ça fait plaisir de la revoir. Ok. La plante avait déjà régénéré là? C'était bizarre. Allez, c'est bon. On est de retour à la casa. Encore une belle chose d'accomplie. Alors. Qui est-ce? Ah, cette gueule ridée, petit, appartient à Elka. C'est une Blue Thunder. Elle a un don pour suivre une piste. Oh, tu vas l'adorer. Kratos, Atreus. Ainsi, cette éclipse était de votre fait? Merci d'être venu. Bigvir en a profité pour s'enfuir. Et ton frère? Nous savons désormais où ils le retiennent. Bayla a déjà préparé les explosifs. Si vous voulez bien m'aider, nous partirons dès que vous serez prêts. L'aide d'un autre métamorphe est bienvenue. Va avec lui, Atreus. J'aiderai Freya. Oui, père. Ok, très bien. Alors, déjà ça, on va récupérer. Voilà. C'était dommage de l'oublier. Oh bah oui, attends, un enchantement, dites donc. Ouais, il n'y a rien d'autre qu'on peut... Bon travail avec les loups. Vous n'avez encore jamais vu d'éclipse à Valhalla. Oui, c'est arrivé comme ça quand on a libéré la lune. Les loups nous ont donné un sceptre. Ils répondront si nous les appelons. Bien. Il existe un raccourci pour atteindre le temple de Njord de jour. Les Aineria retiennent frayeur dans le temple de ton père. Dans mon souvenir, il a toujours été vide. Il y a un hôtel céleste de l'autre côté de la rivière. Selon Bigvir, les hôtels servaient autrefois à appeler les loups. Mais on est de retour avec Freya. La sœur. Quel est ton plan? Une fois au temple, j'enverrai à Bayla et Birgir un signal pour qu'ils lancent leur diversion. La colonie. Il sera bon de ne pas en faire les frais pour une fois. Nous profiterons de leur distraction pour prendre à revers la force principale. Pendant qu'Atreus et Ildis Vini se faufileront pour libérer ton frère. Oui. Et lorsque nous verrons leur signal, nous nous retrouverons sur la rive pour fuir à bord du bateau de frayeur. Merde alors. Qu'est-ce que je prends? Ah, c'est par là. Une petite goutte qui plus est à récupérer, ça fait plaisir. Allez, récupère-moi ça. Belle goutte, hein. La vache. Superbe. Ensuite... Ok, rien à récup.
Et là... Bon, on va encore avoir un petit chemin à faire, je pense. Ok, ok. Parfait. Procédons ainsi. Voilà, dégage. Très bien. Ma petite Freya, comment vas-tu ? Frayeur est détenu prisonnier au nord. Suis Freya, mon frère. Ok, ok, excusez-moi, les gars. Je me fais embrouiller maintenant. J'ai juste voulu faire un petit peu d'orpige, je l'avoue. Bien ça. Très bon move de ma part. Attention. Reste pas là. Allez, ça dégage. Putain, ça casse les couilles, ça. Une fois que ça explose, ça se divise, c'est un enfer. Très bien, on y va. Let's go pour la suite, ma petite Freya. Je te suis. Qui même me suit. Ok. Attention, frère, tu es couvert de microbes. Attention à droite. Je vais aller là-haut. Les filles. Là, je dois tous vous casser la gueule. Ok, toi, Nico. Toi, j'arrive là-haut. Hop. Yeah. Oh non, quel échec. Yo, mon gars. Ça va ou quoi? Ok. Ok. Très bien. Très très bien ça. Je suis beaucoup trop chaud. Allez. Ok, très bien ça. Ok, superbe. Je gère beaucoup trop. Ok, on va zoomer ça par champ plein combo. Hop, on va juste décider pour l'autre. Plus de coups, soit le mettre en place. Attention à droite. Oh là là. Oh là là, il l'a soigné moitié ce bâtard. Allez, tiens, allez, gueule. Ok, allez, ça c'est fait. Comment ça, sur la gauche. Ouais, j'ai compris. Ok, t'es mort. Pas le temps pour vous conneries. Toi maintenant. Oh bah incroyable. Incroyable, ça l'a sonné sur lui. Non, 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 mais qu'est-ce que tu branles? Quel abruti. À droite. Attention. Oh la vache. Je sais pas d'où tu sors. Très bien ça. Très bien ça, tu m'as éclaté la gueule. Ils ont rallié plus de soldats depuis la dernière fois. Okay. Nous sommes trop désavantagés. Très très bien. Il faut faire taire cette Noken. Oh, c'est pas vrai. Où la smithier? De merde là. Allez.
Ah, j'ai peut-être oublié. Derrière toi, prends garde. Ok. Bon, je t'en supplie. Bon, attends. Trois, hop, super. Sur ta gauche. Attends, on va faire tout le tour. Obligé d'aller le chercher. T'es complètement malade, toi. T'arrêtes tes conneries là. Oh, comment ça nous fait chier. Pas vrai. Allez, viens par ici, toi, je t'attends. Il arrive. Allez. Ok. Ok. Superbe, ça c'est fait. Allez, on continue. Qu'est-ce donc ? Essaie de faire glisser le sceptre dans la cloche plusieurs fois. Bien, c'est le bon moment. En fait, ça a fait un chemin, c'est ça ? I suppose. Attends, il y a eu quoi là-haut? Ok, super, c'est des restes de bêtes. C'est finito pour toi. Là, il y avait quoi là-dedans, là? Ah, c'était le man. Bien. Nos actes dans ce royaume sont ceux de la prophétie des géants. Atreus croit le Ragnarok inévitable. Les normes ont été très claires quant à la nature de la prophétie. Elles nous ont dit que la somme de nos choix était prévisible. Mais nous avons changé. N'ai-je pas raison? Peut-être. Allez, regardez-moi ça. Il est parti en enfer. Wow. Comment t'es déter, toi? Okay. Là, ça fait deux fois que j'en vois par accident, ça m'énerve un petit peu. Je vous avoue que je commence à être irrité. Tu tuerais Emdahl, mais tu as choisi d'emprunter une autre voie. Lors de notre rencontre, rien ne laissait croire que tu prendrais cette décision. Et toi, cherches-tu toujours le Ragnarok? Odin a de nombreux comptes à rendre. Si la prophétie de Groa se réalise, peut-être mon royaume connaîtra-t-il enfin la paix. Et peut-être que moi aussi. Pardonnez à cette pauvre tête portative, mais ne venons-nous pas d'établir que les prophéties ne sont qu'un tas de sottises? Oh, par les dieux, Mimir. Quoi? Tu es l'homme le plus agaçant qui soit. Allez, let's go. Let's go, sans vous. On pouvait pas la voir la dernière fois. Je me souviens qu'on était aussi passé par là. Ok, superbe. Alors, on peut aller à droite, on peut aller à gauche. Est-ce que finalement tous les chemins ne mènent pas à Rome ? Bien. Oh, fais chier, putain. Fais chier, oh fuck ! Ok. Ok, la planque la plus solide du monde apparemment. On était déjà passé par là, très bien. On avait pris le coffre, mais ça valait quand même le coup de checker. Très bien ça. Je suis vraiment beaucoup trop chaud. Ok, on va passer par ici alors. Là pour l'instant, mon skill est en adéquation avec mon talent. Je rappelle que skill veut dire talent. Très bien ça. Bonsoir les gars, ça va ou quoi? En l'air. Allez, j'arrive à te casser la gueule. Tiens. Hop. Ça chauffe. Allez, boum. Oh. Oh. Oh, belle. Bon, alors.
Ah. Oh, je mets des vraies patates à la Street Fighter. Oh la vache. Oh là là, je lui mets des vrais trucs, hein. Ok, je lui ai mis des vrais bails, hein. Oh le frérot. Oh, oh. Oh désolé. Voilà. Ok, super. Ok, mort. Ensuite. Frérot, je crois que tu dois embrouiller ce Freya. C'est la sœur, t'arrêtes les conneries. Ok, t'es prêt? Regarde, it's a fireball! Oh non, non, c'est pas une fireball. Fireball! Ok, j'ai tout chié, putain de merde. Ça va de le crier, mais au bout d'un moment, on peut le faire, hein. Ok, t'es une forceur de la tête, dégage. Donne-moi ta vie, il y a de la joie, superbe. Ok, superbe. Let's go, ça dégage. Il y avait rien en bas, sur un malentendu, hein. Non, il n'y avait rien. Et là, il n'y a rien non plus ici. Ok, il n'y a pas grand-chose à récupérer pour le coup. Il n'y a pas de gros coffre caché. Qu'est-ce que je branle? C'est par ici la sortie. Oh. Très bien. Là, on était déjà passé par là. J'en ai aucun putain de fucking souvenir. Là je me souviens pas, hein. C'était au tout début du jeu ou... Prudence, c'est le mal à l'alpha. Si à vous pas. C'est pas vrai, c'est trop fort toi. Si Alpha. Et là lâchez-moi dessus. Ah. Ok. Ok, tu veux la jouer comme ça? Oh putain. Ok, ok. Bon, on va écouter, on va essayer de récupérer sa vie comme ça. Ça c'est très compliqué. Ok. Ok, let's go. Bon, il était pas évident celui-là, hein. Bien. Malheureusement, j'ai dû utiliser de quoi me substanter de santé. Et ça, c'est très embêtant. Là, il y a un mort. Mais est-ce qu'il n'y avait pas une sorte de quête annexe en vrai, vu qu'on a tué un boss quand même, tu vois? Je sais pas, c'était bizarre. C'est très bizarre. On n'était même pas obligé de le tuer, hein. C'est ça le pire, hein. Par ici. Allez, go. Ah! Je m'en souviens. Et effectivement, c'était au moment où il y a eu ce boss. Hélas. On est de retour donc chez Freya. C'était un obstacle. Oh, je n'en doute pas. C'est étrange toutefois. Que faisait-elle ici? Odin s'est servi de racine de l'arbre monde dans le sort qui m'empêchait de quitter Midgard. Nithog protège ses racines, où qu'elles se trouvent. Ah, je vois. Odin s'est servi d'elle. Et elle en a malheureusement payé le prix. C'est typique d'Odin. Ok. Très bien. On va récupérer notre petite hache. Région découverte. Les marches septentrionales. Très très bien ça. Je suis full life, hein. Ça sent pas bon cette histoire. On va y avoir un bruit dans le clé. Content de toi. De faire beaucoup de bruit lorsque nous lancerons l'assaut. Si nous les distrayons assez longtemps, Helvis Vini et Atreus pourront entrer et ressortir sans qu'on les voie. Je ne m'inquiète pas pour Atreus. Il est prêt à se battre seul. Bon,
Les amis, on va s'arrêter là. Un hôtel céleste a été ajouté à la carte. Je sais pas ce qui va se passer, mais ça risque de partir en cacahuète. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. À bientôt, tout le monde. Portez-vous bien. Direction l'épisode 46. Ça va très très vite, je vous le dis.